Coach, bonsoir. JSK, en quelque sorte, n'a pas pu appliquer un plan de jeu clair. On m'en donne la parole. Ah, d'accord. Coach, vous en parlez sur votre sélectionneur, on ne pense pas que vous êtes ici. Je pense qu'il y a d'abord deux choses. Bonsoir à tous, avant tout. En premier mi-temps, pas arriver à faire ce que nous voulons, ça c'est clair. L'objectif, c'est clairement pas arriver à imposer un jeu, je disais à mi-temps, on ne peut pas de 15 ballons de gardien dégager 12, impossible, parce qu'après, un ballon dégagé, c'est 50-50 pour l'adversaire. Donc, et toutes les équipes, indépendamment de l'équipe qui est face à nous, il faut jouer. Il faut jouer, imposer. Il s'agit d'imposer le jeu. Si l'adversaire c'est plus fort que nous, ok. Mais il faut imposer. Après, c'est une guerre de jeu, de capacité. Deuxième mi-temps un peu différent, mais après, c'est pour le moment un peu le même problème. Nous avons 3-4 situations nettes, il faut faire aussi. Il faut faire aussi un but. Les dernières choses, c'est une question de tous les matchs que j'ai fait jusqu'à le moment, c'est la première fois que je vais dire. Je pense que c'est un peu facile maintenant faire quelque chose contre GSK. Parce qu'il y a aussi un pénalty pour nous. Le pénalty ne c'est pas clair. Donc je pense que c'est trop facile maintenant faire un pénalty contre le GSK maintenant. Et attention, je vais être vraiment clair. Rien avec l'adversaire. Gagner, stop, rien à dire. Je dis seulement, il faut être clair avec les choses. Mi-temps, comme je disais, je vais revenir au que j'ai dit. C'est clair, premier mi-temps, la Constantine a été au-dessus de nous, parce qu'on n'a pas joué, parce qu'on a évité, on n'a pas fait ce que nous voulons pour le match. Deuxième mi-temps, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, je sais que pour l'extérieur, toujours reste les résultats. OK, c'est 2-0, c'est final. Il y a une question de confiance et je parle pas de moi. C'est une question que toujours que les choses du début du match ne marchent pas. Et on arrive de un match nul de victoire. Comme il y a un point mental qui complique un peu notre capacité de jouer, de confiance de jouer. Ça, c'est une chose qu'il faut travailler. Les solutions pour ça, continuer à travailler. On n'a pas de solution magique, il revient, ping, c'est fait, non. On continue à travailler. Et on revient, comme je disais après le match, mon premier match, c'est Yves. On perd 3 points, on gagne 3 points. On n'a pas une fête après une victoire, n'a pas une dépression et attention, qu'est-ce que je veux dire, aucune personne, moi, le joueur, aucune personne c'est du tout content avec ce qui s'est passé aujourd'hui, pas pour les défaites, parce qu'on a raté 45 minutes. Il faut jouer. Il faut assumer le ballon. Après, que je disais, s'il y a un adversaire plus fort que nous, chapeau à l'adversaire. À jouer. Il a fait son match. Premier mi-temps, on n'a pas fait notre match. Mais même comme ça, nous avons occasion, et attention, le football, c'est vraiment clair. Il faut marquer. Parce qu'un match change avec un but. La confiance de l'équipe qui marque, c'est rien à voir d'incasser un but. Donc, jamais on va savoir qu'est-ce qui se passe au match si on marque un but. De les occasions que nous avons, net. Ce n'est pas, net. L'occasion de Soyad, c'est clair, c'est net. Face au gardien. Berkane, de Gattal, c'est net. Ils sont frustrés, les joueurs sont frustrés, les familles, et tous, vous avez famille. Je n'ai pas besoin d'aucune personne quand je suis bien. Nous avons des personnes sur le moment difficile. Les familles restent ensemble quand le moment difficile. Et on va réussir. Peut-être que ça, c'est le problème de GSK. C'est pas maintenant. Il faut rester ensemble.
sous le moment difficile. À pas de moment, c'est un match. Oui, on veut gagner. Soucions, travailler, faire les corrections des choses qui n'ont pas été bien. Qu'est-ce qui n'a pas été bien? Assumer le jeu, travailler le ballon, faire le jeu que nous avons fait. Imposer le jeu au maximum. Après, c'est une guerre entre les équipes, de capacité, de compétences. Mais il faut jouer. Après, qu'est-ce que vous avez demandé? Ils sont forcés, je suis frustré, les joueurs sont forcés. Travailler, le prochain match, la meilleure réponse que je disais avant de tout le match, à domicile. S'il y a quelque chose à faire, c'est après le match. Pendant le match, soutiens un joueur, soutiens un joueur. Soutiens un joueur pour gagner le prochain match, à domicile. Je sais que c'est toujours comme ça. Quand on a une défaite, on trouve des choses. Si nous avons gagné le match, rien n'en dit. Je vais dire à vous une chose, et vous savez que c'est vrai. Beaucoup de joueurs ont fait carrière différente, une position différente que nous avons au début de sa carrière. Je parle de Gattal maintenant, mais pour beaucoup de joueurs. Donc, il a la capacité de jouer une différente position, une différente fonction. Après, c'est le joueur. Moi, je suis le responsable. Parce que ça a été les 6 joueurs que j'ai choisi pour le banc. C'est une question? Je ne suis pas d'accord. Non. C'est une affirmation? Non. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport au changement? Oui, je suis. Que vous avez effectué? Vous savez que après le match, c'est comme la loterie. C'est facile de faire la loterie après la sortie, parce qu'on va deviner les chiffres. C'est une question. Je vais répondre de la même façon. Vous allez demander au président. Je ne suis pas président. Je ne suis pas président. Bien sûr. Je souhaitais lui, tous les joueurs, bien sûr. Mais je ne sais pas au courant qu'il va vraiment la gravité de la blessure. Il faut que l'équipe fasse qu'est-ce qu'ils savent faire. Après, il y a toujours un adversaire à face. C'est ça que je disais des premiers mi-temps. Si on sait jouer, l'adversaire a été vraiment costaud, il fermait nous, il bloquait nous, ok, rien à dire. Et après, on commence à dégager le ballon. Mais avant ça, nous avons déjà commencé à dégager le ballon. C'est une chose différente. Et ça, lève confiance à notre équipe. Pourquoi? On perd un ballon, 2 ballons, 3 ballons. L'équipe commence à avoir un peu plus de ballons par l'adversaire. Sur le plan psychologique, un joueur de l'effectif travaille. Matuti, je vais répondre à tous. Netzelen, Driss, Reda, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Pas seulement Matuti. Matuti, donc, il travaille, cherche une position dans l'équipe, il va avoir. Parce que tous les joueurs qui travaillent bien, ils vont arriver, sa opportunité va arriver, sûr, c'est certain. En tous les cas, au départ, on a bien appelé Marachi contre Marcel. Quand même, la JSK, c'est un gros morceau. Malgré que le départ était à 15 minutes, mais les deux journées de l'Ukraine, on a vu que les deux résultats positifs, on a bien appelé un match simple. En plus de ça, on sait que toute la semaine, même ma chère, il a étudié bien l'équipe. On sait que les endômes, le point fort, c'est qu'ils jouent un bloc très compact. Pour les solutions, il faut que les gens. Au contraire, nous avons l'équipe d'Anna. Ils ont appliqué les consignes toute la semaine. Le travail, les derniers, les joueurs, ils ont appliqué. On a cherché Bach n'utiliser la largeur. L'équipe a dit Bach Djouza. Avec le bloc compact, c'est très difficile. Mais quand même, l'équipe Ternalium, en première mi-temps, on a rentré bien sur le match. On avait des occasions. Mais toujours, la dernière passe avec la dernière geste et Khosna. On avait des occasions en première mi-temps. La preuve qu'on a, je ne sais pas combien de corners, plus que 10 corners, on n'a pas profité. 11 corners, on n'a pas profité. Mais quand même, l'équipe, on a senti qu'ils ont préparé le match bien. Le Medjoudet, Djiraoufouk, le Medjoudet. Bien,
Au départ, ils étaient présents. Ça se voit sur le premier ballon ou le deuxième ballon. Quand même. En première mi-temps, on a cadré le match à l'ENA. Marquine a fait un bon moment. À la fin du match, où il a quand même avec le vestiaire avec un bon moral, ben je l'entamais la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, kif, on a débuté mieux début de la deuxième mi-temps. Kif, on avait que les occasions où on aurait pu tuer le match, mais toujours. Le dernier geste qui me manque. Non, alhamdoulilah, l'équipe, que ce soit sur la rigueur, l'esprit de groupe, on a vu que l'Youm, il y avait une équipe solidaire. C'est bien. On a eu une bonne image l'Youm. Djouzna, à un moment donné, une période où il y a le temps fort à JSK, alhamdoulilah, les joueurs arrivent qui fait gérer à ce moment. Nous leur disons merci comme ça. Pour gagner les matchs qui m'a donné, il faut gérer plus de l'adversaire, il faut te battre plus de l'adversaire. Parce que c'est ce que le modèle blicané, il وصل le message à tous les joueurs. اليوم مشكورين على الأداء اللي داروا. نظن بلي اليوم نتيجة منطقية. في الأخير تاع الماتش. وين كل الدوزيام بيت اللي ليبيري تو الموند الحمد لله ان شاء الله اون فا ريستي سور اون ديناميك هادي سورتو ليطا ديسبري تاع المجموعه هذا شيء مهم جدا بور لا سويت تاع الرجوع لانه على ما اظن ضربه شويه واعره سي فري كو لا سورتي تاعو ان مومون دوني. Non, surtout j'ai été à la fin de la première mi-temps. On a dit même Merbah, la rentrée était à elle était réussie parce que par rapport au Mardoud de Lidero, quand même, vers Mardoud, il a, comment on dit, Aouad Zamil était à Oual, il a fait le Ferrer. C'est vrai que Misabeh, c'est un joueur. بوسر تانك غانيور سي هذا الجوار كي اللي ما يحبش يعطيك الحلول كثيره ان شاء الله نتمنوا له العوده قريبه مع الزملاء تاعو ستاتر بالك هذه سي دي كونسين تاع لونترينير بتاتر يجيري لو ماتش يسننا ابري يروحوا افيك دي كونتر قلنا لو بوين فور تاع لا جي اس كا سيتي لو بلوك تاعهم تما يغلقوا لي زانترفال كاين ماركاج دو زون يخدموا بزاف لا زون الور كيما يكونش عندك كيكون عندك تاع البالون باش تلقى الحلول امام فريق تاع جي اس كا صعيب بالك المشكل ايفو با ما حبوش يمشي ولا قدام انا على ما اظن هذا الشيء اللي خلى بارابور لي زوكازيون تاع لا جي اس كا اللي ما كانوش في الماتش بزاف en fin de deuxième mi-temps ou la fois période win le temps fort تاعهم وين شفنا deux occasions trois occasions وين كانوا قادرين يولوا في المباراه ان قوانين لازم تطبقها ولازم تمشي عليها نظن باللي سي فري كو حصه تدريبيه واحده ما تكفيش لكن الحمد لله عندنا ملاعب اخرى اللي دايره هنا قدام سي لي زانكس اللي فيهم العشب كاين ارضيات لاباس بها هذا هو كونترير راح يسهلنا الامور ويخلي اللاعبين انهم يندمجوا مع ارضيه الملعب وشفنا بلي اللاعبين تصلحوا نوعا ما بارابور لي ماتش اللي كنا نديروهم في بن عبد الملك كاين اون غروند ديفيرونس عندك ملعب مثل هذا وتخليه حرام